Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma voiture. Donc on sort de la maison, on sort de la cuisine, on arrête tout ce qui est ménage, nettoyage, etc. On y reviendra tout à l'heure. Je vous partagerai une petite recette de lunch rapide, d'un petit sandwich rapide et bien gourmand. Mais là pour l'instant, je vous emmène avec moi dans ma journée toute simple, mais je voulais vous embarquer avec moi dans ma petite routine. Donc là on est jour de course, donc pour celles qui ont déjà vu mes vidéos, je fais les courses au mois, donc ça tombe aujourd'hui. Je vais faire mes petites courses, mais avant ça je vais aller prendre mon petit déjeuner en terrasse. Il fait super beau aujourd'hui, donc là on a eu quelques jours de pluie, c'était bien, c'était voilà, assez cocooning. Ça faisait du bien aussi de rester à la maison au chaud, mais c'est vrai que là le soleil aussi, mais ça fait du bien au moral. On a envie de sortir, de prendre l'air, de respirer. Je pense qu'on est toutes dans un mood pas très, voilà, pas très joyeux en ce moment. Donc là, je vous emmène avec moi pour changer d'air un petit peu. J'ai commencé par aller prendre mon petit café en terrasse. Ensuite, on va aller faire quelques petits magasins, donc des magasins tout simples que j'ai ici à Montauban. Donc Kiabi, Ziman, Indies aussi pour les pyjamas. Donc voilà, je vous emmène avec moi et on se retrouvera juste après, donc en cuisine, comme je vous disais, pour vous partager une recette d'un lunch rapide et bien gourmand. C'est parti!
J'ai trouvé 2-3 choses que je vous montre en rentrant. Donc là, direction Zeeman. Il me fallait quelques pyjamas. Donc voilà, j'étais à la recherche de pyjamas. Et c'est l'endroit, le magasin dans lequel je vais en premier pour trouver des pyjamas de bonne qualité, jolis et à petit prix. Le magasin Undies a ouvert récemment à Montauban, donc je voulais aller faire un petit tour, voir ce qu'ils proposaient, puisque dans les grandes villes, il y a toujours un rayon, mais bondé en pyjama, plein de choix, plein de couleurs. La qualité est magnifique, à petit prix aussi, donc ce n'est pas des prix excessifs. Donc je voulais aller voir. Bon, un peu déçu parce que je l'ai trouvé assez vide, il n'y avait pas trop de choix. J'ai trouvé que ces pyjamas qui étaient très jolis, la qualité est canon. Donc voilà, pour 20 euros, le pyjama, vous allez le garder longtemps, donc même après lavage, etc., ça ne bouge pas. Mais voilà, il n'y avait pas trop de choix. J'ai été contente par contre de trouver chez Undies les collants thermiques, vous savez, à mettre sous les pantalons, sous les jeans, sous les robes, donc pour l'hiver. Donc pour celles qui en cherchent, sachez que vous en avez à Undies à 12 euros, donc pas très cher. Je crois qu'il y en a aussi à Decathlon, mais voilà, si vous avez un Undies près de chez vous, sachez que vous pouvez en trouver là-bas. Je suis allée ensuite faire mes courses, donc le petit tour shopping est vite terminé, il n'y avait pas grand chose et perso, j'aime pas trop faire les magasins. Voilà, ça me fait plus mal à la tête qu'autre chose. Mais voilà, là, un magasin, deux magasins, ça me suffit largement. Je préfère vraiment acheter en ligne. Je ne suis pas du tout le genre de fille à aimer traîner dans les magasins, regarder les articles, chercher, etc. dans les rayons. Ça m'insupporte, ça me fait vraiment mal à la tête. Donc du coup, j'enchaîne avec mes courses du mois. Comme vous savez, je vous avais déjà partagé dans d'autres vidéos ma nouvelle routine des courses, en fait, mais qui me change complètement la vie. Je ne vais faire les courses qu'une seule fois dans le mois. Et ensuite, au bout de 15 jours, je repars juste pour les fruits et les légumes. Donc là, j'ai fait le plein. Alhamdoulilah. Petit tour à la boulangerie pour acheter mon pain. J'ai pas pu m'empêcher de regarder ces magnifiques gâteaux. J'aime beaucoup cette boulangerie, c'est la boulangerie Ange. Le pain est vraiment trop bon. Donc ces baguettes-là, pas très cuites, elles sont vraiment très bonnes. Je suis passée ensuite à la boucherie prendre ma viande et je suis rentrée ranger mes courses. Et je vous montre juste après donc les achats que j'ai fait en magasin. Ce que j'ai trouvé aujourd'hui, donc mes petits achats d'aujourd'hui, j'ai pas acheté grand chose, j'ai pas trouvé grand chose. Comme je vous disais, je cherchais des pulls, donc des gros pulls d'hiver, voilà, en laine comme ça, bien cosy,
mais j'ai pas trouvé. Voilà, je voulais des pulls oversize, donc je continue à chercher. Je regarderai sur internet, plutôt sur les sites comme Modanisa ou peut-être même sur le site de H&M. Donc on verra. Donc là, je commence par Zimane. Donc ce que j'ai pris à Zimane, donc j'ai pris ce pyjama que je vous avais montré tout à l'heure. Un pyjama très simple, je l'ai pris en XXL pour que ce soit bien large. Donc c'est une jolie couleur. Hop, le pantalon et la petite chemise. Hop. Donc voilà, j'aime bien ces petits pyjamas comme ça et bien oversize. Ça après une bonne douche. Enfin voilà, j'aime trop être à l'aise, ne pas être serrée en fait dans mes habits. Voilà, que ce soit dehors ou à l'intérieur, j'aime beaucoup trop en fait le fait d'être à l'aise dans ses habits et de ne pas avoir les habits qui collent au corps. Donc là, pour le petit haut, juste des petites paires de chaussettes pour monsieur. Oups, voilà, je les prends là-bas en général. Vous avez les 3 à 1,99€. Donc j'ai pris ça, j'ai pris des torchons. Donc mes torchons, je les prends en général soit à Zimane, soit à Action. Pour celles qui me demandent, d'ailleurs je recevais beaucoup de commentaires sur justement sur mes torchons. Donc c'est des torchons que j'utilise pas pour essuyer la vaisselle, etc. Comme je pense celles qui me connaissent savent que j'arrive pas en fait, ça laisse toujours des petits poils. Donc voilà, j'utilise le sopalin, mais voilà, j'aime bien avoir des petits chiffons pour faire mes présentations de plats, pour déposer une assiette, pour faire la cuisine ou la pâtisserie, donc caler un plat, etc. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci, très joli. Et j'ai pris celui-là. Donc le premier, je vous donne le prix. Voilà, c'est des grands chiffons en général à Zimane. Et ils font donc 1,69€. Et celui-ci fait 2,19€. Voilà ce que j'ai pris à Zimane. Ensuite, j'ai pris des cahiers. Donc ça, c'est pour mes cours perso. Et à Kiabi. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Kiabi. À Kiabi, comme je vous disais, j'ai pris seulement pour ma petite dernière. Donc la seule pour qui je peux encore faire les magasins sans lui demander, sans l'avoir avec moi. Donc je lui ai pris ce petit pull. Donc ça, c'est des classiques de Kiabi. Donc il les pose chaque année, chaque hiver. Et franchement, la qualité, elle est magnifique pour 13€. Il me semble, ouais, 13€. Vous les en avez de toutes les couleurs. Donc voilà, moi là cette année, j'ai pris du blanc comme ça. Donc c'est des petits gilets, moi, que je mets en pull avec un petit t-shirt manche longue en dessous. Donc voilà, ça remplace les pulls. Donc je lui ai pris ça. Je lui ai pris donc un second pull gris. Donc pareil, bien cosy, bien chaud. Donc voilà, je lui ai pris du 8 ans. Alors moi, ma fille a 5 ans, elle fait 6 ans en mars, Inch'Allah. Et elle met du 8 ans. Voilà, sinon c'est trop petit, je trouve, au niveau des manches, ben, ça remonte. Et au niveau de la taille, pareil. Donc voilà, celui-ci, il fait 12€. J'ai ensuite pris tout ce qui est cache-cou et gants. Donc là, je pense que on peut commencer à mettre les gants. Il fait super froid, surtout le matin. J'ai pris en deux couleurs. Donc là, pour ma moyenne et pour ma dernière. Donc j'ai pris rose, donc les gants et le cache-cou. Alors le cache-cou, même si pour ma seconde qui a 8 ans, je lui ai pris du 3-6 ans. Parce que je trouve que sinon, c'est beaucoup trop grand. Donc là, au moins, voilà, ça colle bien au niveau du cou. Et le but, en fait, ben, c'est que ça bloque, en fait, ça protège de l'air frais, de l'air froid. Donc, j'ai pris plus petit pour que ça lui serve bien au niveau du cou. Donc, j'ai pris rose avec le bonnet. Donc là, le bonnet, il fait 6€. J'ai pris celui-ci, donc assorti au cache-cou qui fait 6€ aussi. Et les deux paires de gants, donc, qui font 3,50€. J'ai pris la même chose en
camel, couleur camel. Donc pareil, le petit bonnet. Donc 6 euros le petit bonnet. Alors moi, ça c'est pour ma dernière, vu que ma dernière a beaucoup de cheveux. C'est parce que là, je lui ai pris un grand, taille 10-12 ans, pour que ça puisse bien lui prendre en fait l'ensemble des cheveux, sans que ça remonte en fait sur le front. Le petit cache-cou aussi pareil, donc 6 euros. Et les deux paires de gants, qui font pareil aussi 3 euros. Et ensuite, j'ai pris un manteau pour ma petite dernière. Donc, je lui ai pris celui-ci. Donc, c'est une doudoune qui est doublée donc, à l'intérieur. Donc, ça tient bien chaud. Donc là, il y a une petite poche. La capuche aussi est doublée. Donc, voilà la matière. Je l'ai trouvée très mignonne. Et à la base, je voulais lui prendre un grand manteau. Enfin, un manteau qui lui descende au niveau du au-dessus des genoux. Mais au final, les enfants, surtout à cet âge-là, en fait, ça court, ça saute, ça fait du toboggan, etc. à la récréation. Donc, ça ne sert à rien de prendre des manteaux beaucoup trop longs. Donc, pour l'école, ça sera celui-ci. Après, pour le week-end, pour sortir, etc., là où elle ne bouge pas trop, ben, je lui prendrai un manteau plus long. Mais là, je suis partie sur ce genre de petite doudoune très mignonne. Et celle-ci, elle fait 20 euros. Voilà, c'est joli. Voilà, là qui colle bien au cou. Donc voilà, petite astuce pour celle. Fais moi les cache-coups. Enfin voilà, je galérais tout le temps à replier, en fait, à faire un second pli pour que ça prenne bien le cou, pour éviter qu'il y ait l'air qui rentre. Tu n'arrives pas à bouger la tête. Ah ben là, c'est quand il fait froid, c'est ce qu'il faut. Comme ça, au moins, il n'y a pas le vent qui rentre. J'arrive pas que... Donc là, hop, ça prend bien le cou. Lève la tête, maman. Voilà, là, ça prend bien le cou. Et voilà, donc la petite doudoune avec les manches. Tu feras attention, maman, de pas trop la salir, enfin j'espère. D'accord. De ne pas jouer dans la boue. Ben, avec, il faut pas jouer dans la boue, il faut pas jouer dans les flaques d'eau, etc. Mais des fois, on prend Des quoi? Attends, des vers de terre. Ouais, là, il faut éviter. Même, de toute façon, même si tu n'as pas un manteau blanc ou beige, t'évites de ramasser les vers de terre quand même, parce que c'est sale. Tu fais du toboggan, tu fais du vélo, tu fais du ballon. Moi, j'aime pas le toboggan, j'aime pas le vélo. Et tu fais, t'aimes quoi? T'aimes ramasser les vers de terre? Oui. J'aime juste les vers de terre et les serpents. Ah, et les serpents aussi, il y a des serpents à l'école. Je devais vous partager une recette de lunch, mais en rentrant une chose après l'autre, j'ai fini par faire autre chose. Mais je vous partage quand même cette recette, c'est la recette d'un hamburger, on va dire sandwich. Donc ces hamburgers, je les prends à Leclerc, ils sont bien moelleux. Donc on va faire des petits sandwichs hamburgers au poulet pané. À chaque fois, tes frites, elles sont très 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 bonnes. À chaque fois qu'il y a des frites maison à faire, c'est Manel qui s'en occupe. Elle les épluche et elle les découpe. Tu veux que je te découpe les tranches? Oui, s'il te plaît. D'accord. Donc, les tranches, je te les découpe et toi, tu nous fais les frites bien carrées et de la même taille. Désolée. D'accord? Oui. Tu chantes bien, bébé. Mais l'anglais est bon. J'ai découpé mes escalopes de poulet, donc voilà, pas trop fin, pas trop épais, donc je les ai entaillées ici pour bien faire rentrer la marinade. Je vais d'abord épicer mon poulet et ensuite je vais le plonger dans la farine et ensuite je le plongerai dans une pâte de beignet, on va dire. Voilà, j'avais déjà partagé cette recette en version tenders. Là, ce sera plus pour une escalope, morceau d'escalope entier pour les hamburgers. C'est à peu près le même système. Je vais épicer aussi cette farine-là. Je vais y ajouter les épices que je vais vous donner juste après. Et ce qui va faire gonfler la chapelure, en fait, on va dire la croûte de notre poulet pané, c'est la levure chimique. Donc, c'est ce qui va donner, en fait, l'aspect d'un beignet de poulet. Donc là, pour les épices, j'ai reçu de ma sœur Filet. Donc, beaucoup pensent que c'est ma vraie sœur. Mais c'est tout comme, c'est ma sœur Filet, tellement que j'ai beaucoup d'affection, de tendresse pour elle, qui a son compte Instagram, donc spécialisé dans les épices, dans tout ce qui est aussi pâtisserie, donc gélatine, pépites de chocolat, etc. Donc elle m'a gentiment renvoyé des épices. Donc
Vous savez qu'à chaque fois, les épices que j'utilise viennent de chez elle. Et je le dis et je le redis, ça n'a rien à voir avec les épices qu'on trouve en grande surface ou en épicerie ou en boucherie. Donc voilà, les épices qu'on trouve vraiment niveau goût, niveau texture. Et ça, je le dis, donc pour le paprika, c'est ce qui me fascine à chaque fois en fait. Tant au niveau de la texture qu'au niveau du goût, ça n'a rien à voir. Donc là, pour l'assaisonnement, pour commander et pour joindre la personne qui s'occupe des épices, donc pour celle qui voudrait commander, j'avais vu sous certains commentaires auxquels je n'ai pas encore répondu, donc désolée les filles, j'accumule un petit peu de retard par rapport au message, mais j'essaie de répondre à toutes à chaque fois parce que vous prenez le temps de m'écrire, donc je prendrai le temps de vous répondre. Une sœur cherchait du gingembre, j'ai pas eu le temps de te répondre, donc pour celle qui cherche des épices, je vous mettrai le compte Instagram directement de ma sœur et les commandes se font en message privé. Donc pour épicer mon poulet, je vais mettre du curcuma, du paprika et du gingembre. Vous voyez, même la couleur du gingembre, ça n'a rien à voir. Le gingembre en épicerie, en boucherie, il est très 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 jaune, limite comme le curcuma en fait. Mais là, ça n'a rien à voir. On voit les petits grains en plus. Bref, vraiment, pour celles qui recherchent de vraies épices, de bonnes épices, ça vient tout droit de Birken, il me semble, tout droit du Maroc. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, dans mon poulet, je vais mettre du paprika, du gingembre, du curcuma, l'épice, l'herbe d'assaisonnement, en fait, que j'utilise donc à chaque fois donc pour pâtes et pizza. Et du sel, le sel aussi, merci pour vos conseils les filles, j'ai changé, j'avais le sel baleine, vous savez le sel de table, donc j'ai pris celui-ci et on voit la différence, donc merci pour vos conseils. Bon, je vais y mettre une cuillère, bonne cuillère à café de paprika, une cuillère à café de curcuma. Je vais prendre donc une cuillère à café de curcuma. Je vais y mettre donc les herbes. Donc pour celles qui ne trouvent pas celle-ci, je vous le dis à chaque fois aussi, vous pouvez prendre épices italiennes et c'est la même chose. Je vais mettre un peu de sel et de l'huile. Si vous pouvez laisser mariner votre poulet toute la nuit ou au moins une heure, voilà, c'est le minimum pour avoir plein de saveurs. Donc là, j'ai laissé mon poulet mariner. Je vais mettre maintenant de la farine dans un premier bol. Donc, je vais tremper mes escalopes marinées dans la farine et ensuite dans la pâte de beignet que je vais faire. Donc, la pâte de beignet, c'est tout simple. Donc, je vais mettre ici déjà de la farine. Et ici, pour ma pâte à beignet, j'essaierai de vous mettre des mesures approximatives parce que moi, je le fais vraiment à l'œil. Donc là, dans ma pâte à beignet, je vais mettre un sachet de levure chimique. Donc c'est ce qui va vous donner vraiment le côté beignet gonflé. Donc un sachet de levure chimique. Du sel. Donc celui-ci il est très très salé par rapport au sel de baleine, sel de table, celui-ci il est vraiment très salé. Je vais mettre ensuite donc les herbes, donc fameuse épice italienne. Je vais rajouter du gingembre. Donc là pareil, l'équivalent
d'une cuillère à café. Le paprika, pareil, une cuillère à café. Et du curcuma. Donc une fois que j'ai mis mes épices dans la farine avec la levure chimique, je vais rajouter de l'eau et je vais rajouter de l'eau jusqu'à obtenir en fait une pâte pas trop épaisse, pas trop liquide non plus pour que ça puisse enrober notre poulet. Oui, tu peux. Oui. Oui, c'est vraiment bébé. Wow. Ça, c'est pour Lella. C'est pour Lella. C'est trop beau. Elle m'a ramassé toutes les feuilles de la cour. Et même. Donc, une fois que mon poulet a bien mariné, donc comme je vous disais, on va le plonger en premier dans la farine. Et ensuite, dans la pâte de beignet. Moi, ce que je fais, c'est que je le laisse en fait, je le laisse ici. Je ne le ressors pas. Je le sors directement pour le faire frire. Donc, ça évite en fait au poulet de perdre sa panure, on va dire. À côté de ça, j'ai fait des oignons frits. Donc, c'est pas des oignons caramélisés. C'est vraiment, là, vous voyez, on met beaucoup plus d'huile et on les fait vraiment frire pour avoir des oignons frits croustillants. Donc, mes frites sont prêtes. Je vais rajouter donc de la salade, du cheddar, des tranches de tomates. Mon poulet est prêt, donc bien croustillant. Ici, donc, j'ai mes pains hamburger bien moelleux. Thank you.
Alors, je vais faire le montage donc de mes pains. Je vais commencer par de la mayo dans le fond. Je vais y mettre dans le fond des oignons frits. Je rajoute mon poulet. Je vais y mettre par-dessus le cheddar. Et je vais mettre au four juste vraiment une minute pour que le cheddar fonde sur le poulet. J'y mets ensuite sur le dessus des feuilles de salade. Des tranches de tomates. Et je remets par-dessus donc des oignons grillés. Et sur le pain de jour, je remets de la mayonnaise.